Comment allez-vous les amis? On va faire une prédiction. Qui sera le champion du monde? Mondial, hein? La Coupe du monde 2018. Ouais. Ok, je vais commencer par le groupe A, composé par la Russie, Uruguay, Égypte et Arabie Saoudite. Ouais. Pour la première position, je vais mettre Uruguay. À la deuxième position, j'hésite entre la Russie et Égypte. Comme Russie est à la maison, il est à domicile, il a plus de chances de passer. Oui, ça compte aussi, oui, ça compte aussi. Ouais. Je sais que l'Égypte est très forte par rapport à la Russie, mais je vais partir avec Russie. Ouais. Et puis, groupe B. C'est un peu facile. On a Portugal, Espagne, Iran, Maroc. À la première position, Espagne. À la deuxième position, Portugal. Puis on va partir groupe C. À la première position, je vais mettre France. Le groupe C est composé des groupes France, Pérou, Danemark et Australie. À la première position, je vais prendre France. À la deuxième position, je vais prendre Danemark. Ouais. Et puis, groupe D. Groupe D composé d'Argentine, Croatie, Islande et le Nigeria. Ah, ok. Je vais faire comme ça. À la première position, Argentine. À la deuxième position, je vais mettre Croatie. Croatie, ouais. Ça refuse. Ok. Puis, groupe E, composé de Brésil, Suisse, Costa Rica et Serbie. À la première position, je vais mettre évidemment Brésil de Neymar. Hein. Et puis, à la première position, Brésil. À la deuxième position, je vais mettre Suisse. Groupe F. Allemagne, Mexique, Suède et Corée du Sud. À la première position, Allemagne, évidemment. À la deuxième position, Mexique. Hein? Ok, à groupe G. Je vais mettre groupe G composé de Belgique, Angleterre, Tunisie et Panama. À la première position, je vais mettre Belgique. À la deuxième position, je vais mettre Angleterre. Voilà. Groupe H. Je vais mettre groupe H, groupe H. Groupe H composé de Pologne, Colombie, Sénégal et Japon. À la première position, je vais mettre Sénégal. C'est un peu fou. L'équipe d'Afrique qui vient à la première position. Sénégal. Sénégal, c'est la seule équipe africaine que je vois qui peut passer le group stage, hein, qui peut passer les poules pour arriver en 16e. Ouais. Puis, je vais prendre la Colombie à la deuxième position. Ouais, comme ça.
coupé en un 16e dans les phases finales. Je vais commencer par Uruguay et Portugal. C'est un peu difficile ici. Hein. Uruguay de Suarez et Cavani. Portugal de Cristiano. Uruguay, Portugal. Je vais prendre. Je vais prendre le Portugal. Je vais prendre le Portugal, ouais. Et puis France et Croatie. Je vais prendre France. Brésil et Mexique. Les Américains entre eux. Je vais prendre le Brésil. Belgique et Colombie. Je vais prendre Belgique. Espagne, Russie. Espagne, Russie. Je vais prendre Espagne. Argentine, Danemark. Je vais prendre Argentine. Allemagne, Suisse. Évidemment, Allemagne. Sénégal, Angleterre. Je vais aller pour Sénégal. Ouais. Ok. Portugal, France. Je vais partir pour France. L'équipe de France est très forte par rapport à Portugal. Oui, Portugal, ils ont Cristiano. Oui, c'est un joueur qui est très fort, mais. Je vais partir avec France. Brésil, Belgique. Je vais partir avec Brésil. Espagne, Argentine. Ça, c'est le final qui vient en vent. Ouais, ça, c'est un match. Cette match, je sais pas, j'ai l'impression que cette match va être joué. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ce sera comme ça, Espagne-Argentine, quelque part. Ouais. Il doit se rencontrer. Alors, comment choisir Espagne-Argentine? Espagne, une équipe très expérimentée, très expérimentée. Argentine avec Messi, Di Maria. N'importe qui ici. Entre Espagne et Argentine. Ouais. Je vais partir avec Argentine. Ouais. Je vais miser sur Messi. Allemagne, Sénégal. Allemagne. Ok. Alors, dans le quart de finale, on a France, Brésil et Argentine contre Allemagne. France, Brésil. Laisse-moi commencer par Argentine, Allemagne. Allemagne. Il joue sans pitié. Les Allemands, vous les connaissez, c'est sans pitié. Ouais. C'est sans pitié, évidemment. Et puis, il y a l'Argentine aussi. Avec Messi. Argentine, c'est une équipe qui a l'envie là de remporter quelque chose. Ouais. Ok. Je partais avec Argentine. Et puis, ici, on va voir France et Brésil. France, Brésil. Et si je partirais. Même si. France, Brésil. Neymar. Cela ici. Ah, c'est le final de rêve. Neymar contre Argentine.
Messi contre Brésil. Hein. Neymar vs Messi. Neymar contre Messi. Hein. Ça sera le final. Qui va remporter ça? Oh, c'est ça. Qui va remporter ça? Qui va remporter ça? Argentine, Brésil. Argentine, c'est une équipe un peu expérimentée, hein. Par rapport au Brésil. Je dis un peu expérimentée parce que Argentine de Messi, là, ils n'ont aucune coupe, quoi. Hein. Argentine de Messi. Brésil, hein, une équipe un peu jeune par rapport à l'Argentine. Mais si au final, je sais pas, je vais mettre Argentine. Ouais, Argentine. Je sais pas, vous pouvez mettre votre prédiction dans le commentaire. Hein. Bah, c'est un peu difficile de faire ça. Ouais. Mais ici, Espagne et Argentine. L'un sort de la vainqueur. Ouais. Cette manche va avoir lieu. Ouais. Va avoir lieu. Ouais. Ouais. Va avoir lieu cette manche. Espagne contre Argentine. Ouais. J'ai la sensation qu'on va avoir cette manche. Ouais. Et le vainqueur sera au final. Entre Espagne et Argentine, j'ai cette impression. Hein. Voilà, c'est ça ma prédiction. Hein. C'est ça ma prédiction pour la Coupe du Monde. Hein. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner. Hein. Abonnez-vous en masse. Hein. Tu peux me dire aussi l'équipe là, ton équipe favorite. Ou tu es fan de quelle équipe en Coupe du Monde? Ouais. Merci. Peace Afrique.